À l'AS Cannes, il y aura un parfum de nostalgie pour le 8e tour de la Coupe de France dimanche. Club historique du championnat de France, les Rouges et Blancs vont disputer un match de prestige en recevant 3, 8e de Ligue 2. Une affiche que redoutent les Dragons. Tirage compliqué, parce que c'est pour moi en tout cas l'équipe qui joue le mieux au football en Ligue 2. Donc une équipe qui a des ambitions de remonter en Ligue 1, donc ça ne va pas être simple. Mais en tout cas pour nous c'est un match facile à préparer parce qu'on n'a absolument rien à perdre sur ce genre de rencontre. Aujourd'hui retombé en CFA, l'ASC peut s'appuyer sur d'anciens joueurs professionnels comme Jérémy Gavanon, ancien gardien de l'OM. Les Canois devront jouer sans complexe et faire parler la poudre face aux hommes de Jean-Marc Furlan. Ils pourront ensuite rêver d'une affiche contre un club de Ligue 1 en 32e de finale. D'autant qu'un parcours en Coupe de France ne serait pas préjudiciable pour une éventuelle montée en nationale. J'ai regardé le calendrier, il y a encore un week-end disponible, deux week-ends même disponibles sans que ça empiète sur le championnat. Donc voilà, on sait qu'on pourrait en tout cas passer encore au moins un tour, voire deux, sans que ça nous pose de problème par rapport au championnat. Les supporters devraient répondre présents dimanche à 14h. Pour l'occasion, toutes les tribunes du stade Pierre de Coubertin seront ouvertes, comme à l'époque glorieuse des Patrick Vieira, Luis Fernandez et autres Zinedine Zidane.